ses rêves célestes et mystères. C'est une fille de l'air. C'est comme si chaque point était une source de lumière. Et donc, le miroir creux, concave, comme ça, et ben il va vous créer ici l'image de l'étoile. Et on pourra l'observer. Et c'est comme ça que les télescopes fonctionnent. Mais pas beaucoup. Ça va quand même briller un peu. Ça fait comme le métal. Et oui, exactement. Parce que les trous, ils sont trop petits. Par rapport à l'onde, les trous sont tellement petits que l'onde radio, elle croit que c'est la même chose que si c'était continu comme ça. Qu'est-ce qu'on entend ? On va faire maintenant tourner le disque. Alors, on débranche. Et les couleurs, c'est pas qu'elles ont disparu, hein. Parce que ça va vite avec la vitesse, ça mélange les couleurs. Voilà. Et là, vous voyez, bah vous voyez l'arc-en-ciel. Et de l'autre côté aussi. Et donc, c'est l'opération inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des couleurs et on les a mélangées et on a obtenu du blanc. On avait du blanc, on l'a décomposé. Alors la décomposition en question, c'est le même principe. Vous avez déjà vu des DVD. Vous savez que ça fait un effet d'arc-en-ciel. Et un DVD, ça a des petits traits, des sillons. Donc là, c'est pareil. Ce que vous avez là, ça a l'air transparent, mais en fait, il y a des petits traits très très rapprochés. Ils sont tellement rapprochés qu'on ne les voit pas. Mais vous êtes concerné par ça et par la visite extérieure. On voit quand même la main, même si elle est dans ce plastique, ah, on voit bon. De quelle température. Alors on la voit pas avec notre œil. Non. Donc le sac noir, il arrête quelles ondes? La lumière visible. D'accord. Oui. Mais manifestement, il n'arrête pas. Voilà, exactement. Et donc, pour être scientifique, il faut dire que c'est transparent à la lumière visible. Et c'est pas transparent aux infrarouges. L'ami qui veille sur toi, la bonne étoile guide tes pas. Dans une nuit sidérale, un soleil de minuit, tout reste un grand mystère. Ce que tu ignores, c'est quoi? Dans cette nouvelle, ah bah oui, c'est les kilomètres, c'est la distance. Et ce que tu sais, c'est la vitesse et le temps. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec la vitesse et avec le temps? On multiplie la vitesse. Voilà. Mais du coup, au bout d'un moment, la Lune, on va la perdre ou pas? Oui, on finira par la perdre, mais il faudra des milliards d'années. Alors peut-être que le Soleil aura explosé avant qu'on perde la Lune. Elle s'éloigne, c'est sûr, elle s'éloignera de plus en plus, mais doucement, doucement. Et donc, on finira par la perdre si le système solaire dure assez longtemps.